Good morgen, allez, Iden et Tusra aujourd'hui, le Lunishmat, Amramina ben Hananissim ben Ahuda, Sarah ben Hanarachel, ainsi que l'Irfu Ataria Kiva ben Shachar, Refel, Zevulun ben Chayamalia, et Azriel Yonatan ben Michal, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez vos 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avot, Perek Dalet, Mishnah, Yutet, Chaf et Chafelef, Yutet, 19. Shmuel HaKatan Omer, Binfol Oivcha Al Tismach, Uvika Shelo Al Yagel Libecha, Pen Ire Hashem Vera Be'enav, Ve'eshiv Me'alav Apo. Shmuel HaKatan avait l'habitude de dire. Shmuel HaKatan, il s'appelle Shmuel le Petit. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Shmuel le Petit? C'est apporté dans le Tosot Yom Tov deux interprétations. Soit parce que d'abord ce Shmuel-là était un rave qui veillait particulièrement à se faire petit, à être encore plus anav, modeste. Donc du coup, il a eu le titre de Shmuel HaKatan. C'est une autre interprétation encore, parce que dans la Gemara, on rapporte qu'à la fin de sa vie, avant de décéder, il a dit des mots qui avaient en fait, qui étaient une sorte de prophétie. Alors qu'on était à l'époque des Tanaïm, où il y avait déjà plus de prophétie. Depuis la fin du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, il y avait déjà plus de prophétie. Là, on est dans la période du deuxième Beth Amikdash. Malgré tout, il avait un niveau de Gdusha tellement grande qu'il a eu une sorte de prophétie à la fin de sa vie. Et la Gemara, elle explique comment elle était et qu'il avait le niveau d'être un prophète. Seulement, sa génération n'était pas apte à ça. Donc, pour dire en fait qu'il avait le même niveau que Shmuel HaNavi, le premier Navi officiel, quoi. Alors, on l'appelait Shmuel HaKatan, le petit Shmuel, c'est-à-dire celui qui avait le même niveau que Shmuel, sans pour autant mériter d'avoir la prophétie de manière constante. En tout cas, Shmuel HaKatan avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire quelque chose d'original, c'était un pasouk de Michelet tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk ? Binfol oivcha al tismach. Dans lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ovika shelo, et lorsqu'il trébuche, al yagel libecha. Que ton cœur ne s'enthousiasme pas. Ben irei Hashem, de peur qu'Hashem va voir le fait que tu te réjouisses que ton ennemi tombe. Vera be'enav, et ça va être mauvais aux yeux d'Hachem. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Ve'eshiv me'alav apo, il va retirer de lui sa colère, en réalité pour l'appliquer sur celui qui se réjouit. Il nous apprend, Tiferet Israël rapporte, que lorsqu'on parle de binfol o yivcha al tismach, ou vikashlo al gelbecha, il y a deux sortes de manières de tomber. Alors il nous explique que Tiferet Israël soit de manière matériel ou spirituel, c'est-à-dire lorsque tu vois qu'il se fait punir, il perd tous ses biens, ou encore lorsque tu vas voir que ton ennemi va officiellement, maintenant on va tous apprendre qu'il a transgressé une très grave avéra en cachette, et il y a une alacha spéciale, c'est que celui qui fait des avérot en cachette, basof, HaKadosh Baruch Hu se venge de lui et diffuse au grand public tout ce qu'il fait en cachette. Alors malgré tout, il faut apprendre que même si toi tu le haïs, quelque part, tu pourrais être content sur le fait qu'il est en train de tomber, qu'Hachem est en train de faire sa justice sur terre et qu'il punit les mauvais. Eh ben non, tu ne dois pas te réjouir, tu dois rester tranquillement de ton côté, te taire, laisser passer et ne pas te réjouir. Pourquoi? Alors, littéralement, ça a apporté de peur qu'Hachem va voir, il va se fâcher face au fait qu'il se réjouisse, donc sur le fait que le mauvais tombe, et sauf, Hachem va prendre toute sa colère et il va la rabattre sur l'autre. La raison à l'interpréter de plusieurs manières, c'est rapporté dans le Tiferet Israël, de peur qu'Hachem, que en fait, lorsqu'Hachem il l'éprouve, à lui le mauvais, il l'éprouve, alors il s'avère que peut-être qu'il a déjà expié sa faute. Et de ce fait, c'est redevenu un tzadik, même s'il est en train de souffrir. Et on en a appris dans Sanhedrin, que lorsque on reçoit le mishpat, le din, le jugement qu'Hachem, la sentence qu'Hachem a fait, alors on devient un tzadik. Donc de peur qu'en réalité, en fait, Hachem, certes, il l'a éprouvé. Et maintenant, lui, il a pensé, il a eu des hirure tshuva, il a fait tshuva dans son cœur. Il est en train de revenir vers Hachem, du coup. Il souffre en ce moment. Et alors, de peur qu'en fait, il est redevenu un bien-aimé d'Hachem. Et toi, et l'autre, il est là en train de se réjouir sur le fait qu'ils sont en train de tomber. Hachem, il va se fâcher. Il va dire quoi? Tu te réjouis tellement qu'il y a un tzadik qui est en train de mourir. Donc, Hachem, il va prendre toute sa colère et il va la rabattre sur l'autre. Pour éviter une situation, il te disait, ne te réjouis pas, laisse passer, et voilà. Mishnah Chaf, Elisha ben Abuya Omer, Alomed Yeled le Mahudome, Lidio Ktuva al Niyar Khadash, Alomed Zaken le Mahudome, Lidio Ktuva al Niyar Machuk.
Rabbi Yossi bar Yehuda, Ish Kfar Abavli Omer, Alomed Minaktanim, Lema Odome, Beochel Anavim Kehot, Veshote Yain Migito, Vealomed Minazkenim, Lema Odome, Leochel Anavim Beshulot, Veshote Yain Yashan. Rabbi Omer, אל תסתכל בקנקן, אלא שבמה שיש, בתוכו, שיש בו, יש קנקן מלא חדש ויש וישן, שאפילו חדש אין בו. Trois תנאים dans la Mishnah, le premier qui dit une chose, et les deux autres d'après qui sont en réalité en discussion. Comme ça, le Bartonoï l'interprète, je crois que c'est la première fois qu'on a une discussion à l'intérieur de Pirkei Avot. Il y avait une petite nuance une fois, en tout cas là c'est la deuxième fois alors. Elisha ben Abouya Omer, Elisha ben Abouya, qui était le fameux Elisha, le maître de Rabbi Meir, qui à la fin de sa vie, et à la suite de sa vie, il est reparti, il a quitté le droit chemin pour devenir un impie. En tout cas, Elisha ben Abouya, dans sa jeunesse, lorsqu'il était encore sadique, il avait l'habitude de dire « Alomed yeled lema odome » celui qui apprend alors qu'il est encore enfant, à quoi il ressemble, « L'idiok tuva al niyar chadash » à de l'encre que l'on écrit sur un niyar chadash, sur un papier qui est encore tout propre, tout neuf. Valomet Zaken, tandis que celui qui étudie la Torah alors qu'il a déjà vieilli, les mains ou de ma, à quoi ressemble-t-il? L'idiok tuva al niyar machouk, à de l'encre qui est écrite sur un papier qui est déjà effacé. Bien sûr, lorsqu'on écrit sur un parchemin, ça coûtait cher, et lorsqu'on a un problème, qu'on a envie d'effacer, on a besoin d'un papier, qu'est-ce qu'on faisait? On grattait l'encre et on réécrivait dessus. Et bien, lorsqu'on écrivait sur cette encre, elle ne s'ancrait pas bien dans le papier, à la différence de celui qui a un papier, un parchemin qui est encore tout neuf. De ce fait, il vient valoriser l'importance d'apprendre la Torah lorsque l'on est encore enfant, parce que tout se grave naturellement dans le cœur, on n'a pas encore tous les soucis de Parnassa et de toutes sortes de choses, qui font qu'en fait, lorsqu'on étudie, on n'est pas assez bien concentré, et que la mémoire, elle commence déjà à prendre un petit coup. Alors il vient, il nous apprend, Elisha ben Abouya, il nous dit, ben veille à apprendre lorsque tu es encore enfant. Rabbi Yossi, deuxième partie de la Mishnah, maintenant il y a une discussion sur ça. Rabbi Yossi, bar Yehuda, ish kfar abavli. Rabbi Yossi bar Yehuda, l'homme du village de babylonien, avait l'habitude de dire, alomed minaktanim le modomé. Celui qui apprend la Torah, non pas lorsqu'il est enfant, mais qu'il apprend la Torah des enfants, des jeunes rabbanim. Son rave, lui, il a 45 ans. Et son rave, c'est un petit jeune, un bachur yeshiva très intéressant, qui a 20 ans, 19 ans. Donc, il est l'omed minaktanim, il apprend la Torah des petits jeunes. Les maoudomé, à quoi ressemble-t-il, cet homme-là? Les ochel anavim keot, à celui qui mange des raisins qui sont encore âpres, pas encore mûrs. Veshote yain migito, et qui boit du vin du pressoir, alors que le vin est encore mélangé avec toutes sortes de lies et d'impuretés. Alors, voilà comment ressemble celui qui a étudié la Torah de celui qui est encore jeune. À la différence de Valomed Minaskenim, celui qui avait étudié l'argent chez ceux qui ont déjà plus vieilli, qui sont déjà plus mûrs, plus expérimentés dans la Torah. Alors, les Maodomé, à quoi ressemble-t-il? Les Ochel Anavim Beshulot, à celui qui ressemble des raisins qui sont bien mûrs. Le Shotei Yain Yashan, et celui qui boit un vin bien vieilli. La raison, elle est simple, elle est que plus le temps passe, plus on commence à. Plus on développe. On intègre profondément ce que l'on dit, et de ce fait, lorsqu'on donne des enseignements, des enseignements beaucoup plus fondés, logiques, à la différence de celui qui est plus jeune, qui a peur de s'aventurer, qui ne va pas moins comparer ce qu'il va prononcer par rapport à d'autres sujets, ou peut-être finalement ça va l'aider. D'accord ? Suite à ça, la Torah a des gens plus âgés, plus expérimentés, et de meilleures valeurs, de meilleures qualités. Donc il vient nous stimuler à partir étudier la Torah chez ceux qui sont plus âgés que ceux qui sont plus jeunes. Tandis que Rabbi avait l'habitude de dire tout à l'envers. Il nous dit « Al tistakel bakankan » ne regarde pas dans la cruche et la bema shayeshbo, mais plutôt dans ce qu'il y a à l'intérieur de la cruche. Soit « Yashkankan chadash malayashan » lorsque tu vois, ne te fie pas aux apparences. Tu vas voir qu'il y a une cruche toute neuve et tu vas naturellement te dire « Ah, si la cruche elle est neuve, c'est que logiquement on a mis du vin qui était tout neuf à l'intérieur de lui, donc du vin qui n'est pas vieilli, moins bon. » Eh bien, sache que c'est faux, parce que parfois, « Yesh Hadash Malay Yashan », tu vas peut-être avoir affaire à une cruche qui est certes neuve, nouvelle, mais qu'en réalité elle est pleine de bons vins bien vieillis. Tandis que « Yashan Shafilu Hadash Enbo » et tu vas avoir une cruche
bien vieille, alors qu'en réalité, même du vin neuf, nouveau, il n'y a même pas à l'intérieur, qu'en réalité, il n'y a même plus de vin à l'intérieur. D'accord ? Ensuite, Mishnah Chaf Aleph, Rabbi Elazar Akapar Omer. Rabbi Elazar Akapar avait l'habitude de dire Akina, Vatava, Vakavod, Motinata, Adam, Ina, Olam. Akina, la jalousie. Vatava, le désir, l'aspirer à remplir, à combler ses désirs constamment. Vea Kavod, et la poursuite du déshonneur, du. D'accord ? Du Kavod, du respect, dans le sens péjoratif, c'est-à-dire dans le sens. Celui qui veut absolument avoir un bon rôle, une bonne position, alors sache que ces trois choses-là, Motsin, et Adam, Mina, Olam, ils vont sortir un homme du monde, comme ce qu'on avait expliqué plusieurs fois quand on expliqua, quand on s'est rapporté cette phrase pareille, ça fait sortir l'homme du monde, ça implique qu'il perd son monde futur et il passe à côté de la plaque. Ça implique qu'il perd son monde futur et il perd même son monde présent. Il passe sa vie dans des mauvaises valeurs, il s'est trompé, il s'est fait un bug de programmation. Au lieu d'investir dans le durable, dans l'essentiel, il s'est mis à investir dans la jalousie, vouloir sans arrêt ce que l'autre il a, pourquoi lui il a, pourquoi il n'a pas. Suite à ça, il passe son temps, il met plein de kohot, plein de force dans des choses futiles. Alors au lieu de se concentrer sur l'essentiel, idem pour celui qui court constamment à combler ses plaisirs, c'est pas un mode de vie. Le plaisir, on a peut-être besoin de le remplir un petit peu de temps en temps, ça aide à avoir plus la pêche pour mieux évoluer, mais c'est en rien une finalité, celui qui pense en finalité, donc il passe à côté de sa vie. Il va se mettre toute sa vie à courir, à amasser de l'argent pour pouvoir combler ses plaisirs. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as perdu ton temps. Lorsque tu as amassé tout ton argent pour aller le dépenser ensuite dans le plaisir, t'as passé à côté de ta vie, t'as perdu ce monde présent, ce monde futur. Et idem encore sur le Veha Kavod, la poursuite des honneurs de l'orgueil, et donc, suite à ça, le même principe, il va investir tellement d'efforts là où il ne fallait pas l'investir, qu'il va passer de nouveau à côté de sa vie. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.